Et salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2. Aujourd'hui, on va commencer à parler des armes de la saison Echo. Oui, je sais, ça s'appelle plus saison mais épisode, mais franchement, le fonctionnement est tellement ressemblant que saison ou épisode, c'est la même chose au final. Et comme pour les armes du Cœur Pâle, chaque arme aura droit à sa vidéo dédiée pour prendre le temps de faire le tour des perks pour les nouveaux joueurs et pour ceux qui n'ont pas forcément toutes les perks en tête, avec comme objectif d'en tirer des godrolls PvE ou PvP en fonction du type d'arme, mais surtout en fonction de ce que vous voulez faire de l'arme. Et sans plus tarder, on est parti. Et si vous en avez marre de votre trésor asséché parce qu'il prend votre slot exotique ou que vous rêviez tout simplement d'avoir un autre archétype d'arme avec le même fonctionnement que le trésor asséché, alors vous allez être aux anges puisque Bungie vient d'introduire cette saison un tout nouveau type de lance-grenade avec son lance-grenade stasique Signal Perdu et son armature Déni de Zone, puisque grâce à cette armature, cette arme va se comporter quasiment de la même façon que le trésor asséché, c'est-à-dire que lorsque vous allez tirer, vous allez laisser une espèce de flaque ou de traînée au sol qui va durer grosso modo, je me suis pas amusé à calculer, entre 4 et 6 secondes environ, et qui va faire des dégâts sur la durée. Et contrairement à tous les autres lance-grenades, ce dernier, il va tirer en rafale. Donc c'est très spécial à prendre en main, surtout la première fois. Avec cette sensation de recul avec l'arme qui tire en rafale, on a un peu de mal à voir où est-ce que ça part et on en fout un petit peu partout sans trop savoir où est-ce qu'on vise. Mais bordel, qu'est-ce que c'est fun à jouer, efficace et plutôt innovant, même si c'est déjà existant sur le trésor asséché, ça reste un petit peu innovant dans son fonctionnement. Et c'est en tout cas, pour ma part, tout ce que je demande à Bungie, c'est de continuer à nous surprendre en développant de nouvelles armatures. Ça donne une sensation de fraîcheur sur le jeu, et si en plus c'est efficace, eh ben c'est encore mieux. Et pour récupérer cette arme, vous avez plusieurs possibilités. Si vous n'avez pas encore attaqué la saison, vous pouvez la récupérer de façon obligatoire au niveau 20 du pass saisonnier, ou selon votre chance via les 200 grammes saisonniers que vous pouvez récupérer au début du pass saisonnier, et ensuite allez les décrypter au simu, même si vous n'avez pas commencé la saison. Sinon, comme pour toutes les armes de saison, vous pouvez la récupérer en décryptant des engrammes au simu ou durant l'activité de saison pour ensuite essayer de récupérer l'arme 5 fois avec sa bordure rouge pour pouvoir ensuite la craft à l'enclave et débloquer les perks améliorés. Et comme pour toutes les armes de la saison Echo, cette arme dispose d'une toute nouvelle particularité d'origine, le transposeur radiolaire, qui font que les frags rapides avec cette arme font exploser les cibles en une flaque radiolaire. Donc bon, ça ressemble fortement à la perque exotique du trésor asséché qui fait que lorsqu'une cible infectée meurt, elle libère une flaque corrompue au sol, sauf que là, c'est du fluide radiolaire. Donc pour le coup, je trouve que la particularité d'origine est plutôt bien sympathique. Maintenant, avant de parler de perque, où est-ce que cette arme se situe en termes de dégâts et de clean? Dans quelle situation elle va vraiment être utile à être utilisée? Car dans la famille des lance-grenades légers, on est plutôt bien servi, avec d'un côté les lance-grenades à ondes qui sont excellents pour le clean, mais assez mauvais en mono-cible, et les lance-grenades classiques assez mauvais pour le clean, et plutôt orientés mono-cible, surtout pour les lance-grenades avec l'armature à tir double comme le Vol Violent, qui sont jusqu'à présent les plus efficaces pour du mono-cible. Et à ma grande surprise, cette armature est l'armature qui inflige le plus de dégâts à une même cible. Maintenant, c'est quand même très spécial et pas représentatif quand même, puisque le tir ne fait pas comme le trésor asséché. Vous ne pouvez pas attacher la flaque de stase à la cible, donc si elle sort de la zone, oui, elle prendra encore quelques tics sur la durée, mais elle ne pourra pas prendre le maximum de dégâts. Donc, à moins d'avoir une cible qui soit vraiment peu mobile, et balancer votre rafale autour d'elle pour être sûr qu'elle prendra les dégâts en continu, je ne suis pas sûr que l'arme sera la plus intéressante pour du mono-cible, même si, sur un champion étourdi par exemple, l'arme peut vraiment être excellente. Mais pour moi, en tout cas, je trouve que l'arme aura vraiment deux grandes utilisations. La première sera tout simplement pour le clean. Avec cette arme, vous pouvez littéralement en foutre partout, mettre des flaques partout, ce qui vous permettra du coup forcément un excellent contrôle de foule. En plus, comme l'arme tire en rafale, vous pouvez vraiment couvrir énormément de terrain avec vos flaques de stase, en gardant à l'esprit qu'en faisant plusieurs frags rapidement, les mobs lâcheront derrière une flaque de fluide radiolaire, et avec la largeur de la flaque de stase laissée par ce lance-grenade, ça sera vraiment très rare que vous n'ayez qu'un seul mob qui soit pris dans le tir. Et la seconde grande utilisation où on pourrait vraiment utiliser cette arme, ce serait tout simplement dans le même cas de figure qu'avec le trésor asséché, c'est-à-dire comme soutien DPS entre guillemets, avec comme avantage bien sûr de garder le slot exotique de disponible, puisque cette arme a également holster de recharge automatique. Donc pour les DPS, l'arme peut également être très intéressante pour les switches, pour faire proc publicité mensongère, etc. et pour amener un support de dégâts de façon continue. Et pour avoir un petit peu testé cette arme, surtout sur la partie contrôle de foule, je maintiens que cette arme est complètement débile. Elle est super fun à utiliser, vous pouvez littéralement tirer à l'arrache et balancer des flaques partout. Et pour le contrôle de foule, c'est extrêmement efficace, surtout si vous avez des mobs un petit peu dispersés partout. Là où Réaction en Chaîne, par exemple, sur un lance-grenade à onde était pratique sur un troupeau de mobs, là, l'arme elle est aussi utile sur un troupeau de mobs que sur des mobs dispersés. Et ce je trouve une vraie pépite à aller chercher. Maintenant qu'on a vu son fonctionnement, on va pouvoir s'intéresser aux perks à aller chercher sur cette arme. Et comme toujours, dans la première colonne, on va aller chercher ou du tir rapide pour gagner 15 points de maniement et 10 points de vélocité, ou du tir brut pour gagner 15 points de vélocité, mais perdre 10 en stabilité et 5 points en rayon de souffle. Au niveau de la seconde colonne, on a le choix entre les munitions ultra rapides et les munitions à implosion. Et personnellement, mon choix se portera sur les munitions ultra rapides. vous augmentez à nouveau votre vélocité et votre vitesse de rechargement de 10 points. Au niveau des perks de la troisième colonne, on va retrouver la nouvelle perk Stratège qui va vous redonner de l'énergie de compétence de classe à chaque kill. Donc c'est une perk qui ira vraiment dans des builds très spécifiques selon moi. La perk des stats pour tous, toucher 3 cibles rapidement pour gagner en rechargement, stabilité, portée, et autant dire qu'avec cette arme c'est hyper simple à faire proc, donc c'est une perk qui peut être très intéressante. La perk Saisie Éclair, pour le coup en PvE j'y vois pas grand intérêt, c'est davantage une perk PvP selon moi. La perk Détecteur de Menace pour améliorer votre rechargement, stabilité et maniement quand vous avez des ennemis à moins de 15 mètres de vous. La perk au rond-plomb, un classique, toujours aussi excellente pour la gestion des munitions, puisque récupérer des munitions lourdes vous redonnera également des munitions spéciales. Efficacité mortelle, à chaque kill vous augmentez votre vitesse de rechargement sur une courte période. La perk est très bonne en soi, mais je pense que Stats pour tous sera plus intéressante, puisqu'il vous suffit de toucher une cible pour pouvoir faire proc le bonus, plutôt que de faire des frags avec efficacité mortelle. Et enfin, Holster de Recharge Automatique, qui vous permet de recharger votre arme même si vous ne l'utilisez pas, après un délai de 2,5 secondes et 2,3 secondes dans sa version améliorée. Du côté de la quatrième colonne, on va retrouver les perks Source qui vous permet de récupérer de l'énergie de compétence à chaque kill. Alors de base, c'est 8 et 9% dans sa version améliorée. Et le gain d'énergie va se diviser dans chaque compétence non chargée. Donc si vous n'avez que votre grenade de non chargée, un kill ça va vous redonner 8 donc, ou 9%. Mais si vous avez deux capacités non chargées, alors le gain va être divisé par 2 en donnant 4 ou 4,5% pour chaque capacité. Et vu la vitesse à laquelle les mobs tombent, ça peut être intéressant dans certains builds. La perk Supériorité Aérienne pour faire plus de dégâts à une cible qui se trouve plus bas que vous. Mais pour le coup, je pense que c'est pas spécialement le genre de perk que j'irai viser. La perk Obstination qui vous permet de récupérer 65 points de vie et qui déclenche en même temps votre régénération en faisant plusieurs frags rapidement. Donc la perk peut être vraiment intéressante dans les activités un peu plus élevées. La perk 1 pour tous, une perk de dégâts, touchez 3 cibles et vous avez 35% de dégâts en plus pendant 10 secondes. Et donc ça peut être très utile à nouveau dans les activités un peu plus élevées. Et vu que de l'autre côté on a la perk des stats pour tous, ça peut vraiment très bien se synergiser. La perk Vorpal pour gagner 15% de bonus de dégâts contre les boss, mini-boss, donc une perk qui pourrait être utile si vous souhaitez utiliser cette arme comme soutien DPS. Une nouvelle perk Réverbération qui fait que les frags avec cette arme vont augmenter ses détonations pendant une courte durée. Et je mets un gros point d'interrogation sur cette perk, je n'ai pas réussi à avoir de rôle avec cette perk, donc j'ai aucune idée de la durée du buff ni de quelle détonation il parle. Est-ce que c'est la flaque de stase ou la flaque de fuite radiolaire? J'en sais rien, elle peut potentiellement être excellente comme pas du tout. Et enfin, la perk Démolisseur. Chaque kill vous redonne 10 ou 11% d'énergie de grenade et lancez votre grenade recharge l'arme. Et là aussi, la perk peut être vraiment super intéressante. Vous touchez énormément de cibles avec un seul tir et vous faites énormément de kills, donc vous pouvez recharger très rapidement votre grenade. Ce qui fait que dans l'ensemble, on a quand même pas mal de perks très intéressantes et surtout, l'arme a les perks qu'il faut pour ses deux utilisations principales, c'est-à-dire ou le contrôle de foule ou le soutien DPS. Mais avant de parler de ces godrolls, du côté de la pièce maîtresse, les meilleures options seront pour moi soit la vélocité, soit le rechargement. Et du côté des modes d'armes, je partirai sur un sangle d'accès rapide pour gagner 10% sur la vitesse de switch des armes pour justement sortir et rentrer l'arme plus rapidement. Maintenant qu'on a tout vu sur cette arme, on va pouvoir passer au godroll. Et comme je l'ai dit, je trouve que l'arme a deux utilisations très distinctes. La première pour du contrôle de foule et la seconde comme remplaçante au trésor asséché, ce qui est très pratique pour ceux qui ne l'ont pas ou qui veulent tout simplement garder leur emplacement exotique. Et pour se substituer au trésor asséché, le godroll que j'irai chercher sera du tir brut ou tir rapide avec les munitions ultra rapides combinées à holster de recharge automatique et vorpal tout simplement. Grâce à holster de recharge, vous tirez puis vous rangez l'arme et vorpal va augmenter vos dégâts de 15%. Puis, de temps en temps, vous rebalancez une salve pour conserver les dégâts en continu. Bref, c'est vraiment la même mécanique calquée sur l'utilisation du trésor asséché. Et pour une option de contrôle de foule, mon premier godroll sera clairement des stats pour tous avec 1 pour tous. Les deux perks se combineront à merveille. Vous gagnez en rechargement, en maniement grâce à stats pour tous. Et derrière, vous boostez vos dégâts. Mais il y en a bien sûr d'autres godrolls que j'irai certainement chercher, comme par exemple des stats pour tous ou holster de recharge auto avec la perk source ou une récupération accrue de toutes mes compétences. Je trouve que ça peut être très intéressant dans des builds où la récupération des compétences est cruciale, tout comme des stats pour tous avec démolisseur pour les builds axés grenade. Et le dernier rôle que j'irai viser sera possiblement à nouveau des stats pour tous ou holster de recharge automatique. Ce sont, je trouve, les deux meilleurs perks pour cette arme avec du réverbération. Ça va tout simplement dépendre de comment la perk fonctionne réellement et surtout de la durée du buff. Si le buff est assez long pour en profiter, alors holster et réverbération sera, je trouve, intéressant. Ça vous permet de ne pas être constamment avec votre lance-grenade. Sinon, ce sera des stats pour tous avec réverbération si la durée du buff est vraiment trop courte pour profiter de la vitesse de rechargement accrue offerte par stats pour tous pour pouvoir profiter derrière des avantages de réverbération. Quoi qu'il en soit, on est très clairement sur une arme qui est vraiment une très bonne surprise et elle est vraiment super fun à jouer. C'est un mélange entre trésor asséché et lance-grenade à onde par rapport au contrôle de foule et il faut vraiment que Bungie fasse plus d'armes comme celle-ci, qu'il continue à sortir de nouvelles armatures, ça apporte de la fraîcheur, une nouvelle façon de jouer et c'est, je pense, quelque chose qui est, en tout cas pour ma part, très demandé. Mon seul petit regret, c'est que la flaque de Stas n'applique pas de ralentissement, même si j'admets que ça aurait été complètement débile et complètement pété avec ça, ça aurait pu être vraiment très drôle à jouer. Dans tous les cas, on arrive à la fin de la vidéo, et si la vidéo vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un petit like, à partager la vidéo, et à laisser votre avis sur l'arme et vos godrolls dans l'espace commentaire, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien.